avez toujours rêvé et des serviteurs modelés selon vos désirs. Ça avait le look et l'odeur du vrai fromage. On ne trouvait les produits laitiers qu'au marché noir. Ils étaient rares et très chers. Leur vente était considérée comme un délit de classe A. L'Hysteria Hall était une salle d'arcade dans le secteur des loisirs. Il n'y a rien d'autre ici. Étrange. Tu les as laissés entrer dans ma chambre! Ils avaient un mandat, monsieur. Je pouvais rien faire. Ils ont pris mes photos! J'ai pas pu les en empêcher. Ah oui? Je vais te montrer ce qu'il fallait faire. Qui vous êtes-vous? McCoy, police. Vous êtes flic, hein? Alors vous allez pouvoir me rendre ce que vous m'avez pris. Qui vous a pris quelque chose? Un de vos gars. Il est entré chez moi, mal coiffé, avec un impair ridicule. L'autre flic. Quel autre flic? Vous le savez très bien. Bon, et alors? Rien. Je croyais que vous alliez m'arrêter, c'est tout. Je me fous de votre problème avec le réceptionniste. Je cherche deux réplicants. Là, je ne peux pas vous aider. Le réceptionniste pourra peut-être me dire qui avait réservé cette chambre. Mais qu'est-ce que vous avez après lui? Il a laissé ses fumiers entrer dans ma chambre. Je tiens à mon intimité. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Mais rien du tout. Je n'ai rien fait. Ouais. On est tous innocents, hein? Exactement. Et j'aime pas non plus les types qui posent des questions. Oh, une dernière question. Vous n'avez pas vu un grand rasta? Ou un type barbu aux yeux noirs? C'est quoi un rasta? Il a des nattes et un fort accent. Oh, non, j'ai vu personne. Écoutez, ma mère m'attend. Si vous attendez un peu, le gérant de l'hôtel reviendra peut-être. Je savais pas qui était chargé de ce secteur, mais la piole avait été passée au peigne fin. J'avais peu de chance de trouver quelque chose après eux. Rien.
Elle est venue me voir avec... Oh, Willy. Brian avait chopé... Je suis... Cette femme... Oh, Willy. Il y avait des traces de peinture, et pour moi, c'est... Cette bagnole ressemblait à celle que je cherchais. On avait pris soin d'enlever la plaque. Mais j'avais le numéro de série. J'avais plus qu'à l'entrer dans l'ordinateur du central pour identifier le propriétaire. Je savais qui vendait ces trucs-là, Mia et Murray. Les meilleurs casse-croûtes aux algues du secteur 4. C'était vague comme indice. Mais ils voyaient passer du monde avec la salle d'arcade et toutes les boîtes de la rue. De leur boutique, Mia et Murray voyaient plus de choses en une nuit que ma tante n'en avait vu en un siècle. Dans un univers de nouvelles possibilités. Laboratoire. Un nouveau retrait a eu lieu aujourd'hui dans le secteur 4. Un Blade Runner a tiré sur un réplicant présumé alors qu'il se trouvait dans une rue très fréquentée. Le lieutenant Edison Guzza, responsable de l'unité de détection des réplicants, a déclaré ceci. C'était du boulot net et sans bavure. Les gens devraient nous remercier de les débarrasser de ces gueules d'humains avant qu'ils commencent à leur faire vraiment des ennuis. Et virez-moi cette caméra de là. Chargement de la base d'indices personnels. L'ordinateur confirmait ce que j'avais déjà deviné. La voiture de Chinatown était bien celle qui avait embouti la bouche d'incendie devant chez Ron Sitter. La voiture appartenait à un certain Gavin Kelly.
mais il avait signalé son vol depuis 2 mois. Un dossier irréprochable. Citoyen modèle, médecin, pas de casier judiciaire. J'étais revenu à la case départ. Navette. Ce type se balade vraiment beaucoup. J'en veux une épreuve tout de suite. Ça peut pas être moi. J'en veux une épreuve tout de suite. C'était le Trickster. Et il a dit, Pat n'a pas un manteau d'hermine. C'est du bon tissu républicain bien solide. C'est tout. Tu te trompes, chérie. C'était Herbert Hoover. Je suis désolé, mais j'ai tout vu. Tu parles. Tu devais avoir à peine 3 ans à l'époque. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et il a dit manteau de fourrure, pas manteau de vison. Je l'ai vu sur un disque découverte. Alors, vous êtes encore en train de vous chamailler? C'est ce qui fait durer un mariage, Ray. Qu'est-ce que ce sera? La totale. Ça vient. Tu t'y connais en politique, Ray. Les citations célèbres, tout ça. J'évite en général. Et le discours des dames? Jamais entendu parler. Le discours des dames de Hoover? Le discours des dames de Nixon.
Tu oublies beaucoup de choses à ton âge. Je suis plus jeune que toi, ma belle. Vous n'auriez pas vu dans le coin une fille de 14 ans environ avec les cheveux roses? À la salle d'arcade, peut-être. J'ai eu 14 ans et les cheveux roses, il y a bien longtemps. Je ne crois pas que c'est de toi qu'il parle. Mais plus maintenant, bien sûr. On est juste devant l'Hysteria Hall. Alors des filles aux cheveux roses, on en voit passer 20 ou 30 par jour. Et toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel aussi. Vous savez où je pourrais acheter du fromage comme celui-là? Cache ça! Pas ici! T'es fou! Mais il est de la police, chérie. En plus, les gosses d'aujourd'hui ont plus vite fait de te planter un couteau dans le dos que de te demander ton fric. Si tu te trimbales dans le quartier avec ça, tu vas te faire repérer. Qui vend ça? Écoute, Ray, on ne veut pas d'ennui. J'en ferai à personne. J'ai simplement besoin d'informations. Il y a bien cette femme noire qui tient la Kingston Kitchen. Elle nous tanne toujours les oreilles avec son ingrédient secret. Son ragoût spécial, là. Il a toujours un goût un peu... fort. Et ça coûte la peau des fesses, en plus. J'ai trouvé ça. Oui, ça vient bien de chez nous. Soyez sages tous les deux. Vous cherchez? Je vous en prie, laissez-moi. Papa m'a dit de me méfier de vous. Je ne veux pas vous faire de mal. Vous avez toujours habité sur Terre? Oui. Papa m'a dit comment il imaginait la Terre. Si belle, si unique. Les oiseaux, les fleurs, les arbres et la mer bleue. Mais c'est pas du tout comme ça. Je me souviens pas d'avoir vu la Terre dans cet état. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué les animaux de Rancitaire? Moi, je voulais pas. Mais papa était très en colère. Et Sadik a dit que Monsieur Rancitaire le méritait pour m'avoir traité comme il l'a fait. C'est drôle. Je suis moins bien traitée que ces animaux. Et je devrais les détester. Et ben même pas. Et tous ces animaux étaient des vrais? Monsieur Rancitaire en achetait aussi des fois... ailleurs. Des faux? Il me disait qu'il était protégé. Qu'il se les procurait auprès de quelqu'un... proche de la source. Il y avait qui d'autre ce soir-là? Papa et oncle Zuben. Vous pouvez m'emmener voir votre père? Je crois qu'il n'aimerait pas beaucoup ça. Je sais même pas où il est en plus. Venez avec moi. Je voudrais vous faire passer un test. Soyez sages tous les deux. C'est une super affaire à ce prix-là. 35 000 seulement. Oui. Rouge, orange, bleu, verdâtre, de toutes les couleurs. Laissez-moi juste 24 heures pour nettoyer les graffitis. Non, je plaisante. Demandez Larry Padfol. A plus. Vous admirez cette Kadibishi, hein? Il y a de quoi. C'est l'élégance classique dans un bolide de sport.
Elle monte à 125 en un rien de temps. Encore faut-il trouver une route où ce soit possible. C'est toujours le même problème. Larry Hirsch dit Pat Foll, enchanté. Ray McCoy. Vous pouvez m'appeler Pat Foll ou Larry, si vous préférez. Vous pouvez même m'appeler Larry Pat Foll. Mais c'est pas la peine de m'appeler, si les bagnoles c'est pas votre truc. D'accord. Cette Bichy est une vraie merveille. La mécanique Pacific Rim est irréprochable, comme toujours. Mais ils ont aussi gardé la touche classique des anciennes de la General Motors. C'est du travail soigné, apparemment. C'est autre chose que ces tacos en fibroplaste qu'on voit partout. Ça, c'est de la bagnole. Un régal pour les yeux. Vous voyez ça, là? Vous voyez? C'est du véritable chrome, du vrai. Ils avaient mis à l'abri une centaine de feuilles de chrome de Tijuana avant la guerre. C'est complètement légal et tout. C'est magnifique, non? Je crois que j'en ai jamais vu. Et vous n'en reverrez sûrement jamais, sauf si vous partez avec cette merveille. Et honnêtement, non. Franchement, elle est faite pour vous, pour Ray McCovey. McCoy. Oh, une lettre de plus ou de moins. Il faut que je réfléchisse. Réfléchissez pas trop longtemps, Ray. Sinon, elle sera plus là quand vous reviendrez. D'accord. J'espère que vous avez les papiers de tous ces véhicules. Oh, Ray, on n'est pas des gosses. Vous parlez à Larry Pat Foll. Je prends ça comme un oui, alors. Prenez-le comme vous voulez, mais reposez-le après. J'espère que vous avez les papiers de tous ces véhicules. Oh, Ray, je prends ça... Prenez-le comme vous voulez. Mia et Murray m'ont dit que vous mettiez du fromage dans votre ragoût. Du vrai fromage. Qu'est-ce qu'ils en savent, ces vieux vautours? Je pourrais prendre un échantillon de votre ragoût pour le faire analyser au labo. Pourquoi vous faites ça à Mama Isabella? Je vous ai jamais rien fait, moi. Où est-ce que vous l'achetez? Ma sœur connaît quelqu'un. Et où je peux la trouver? Elle est repartie en Jamaïque, loin d'ici. Elle m'envoie du fromage une fois ou deux par mois. Vous savez, c'est drôle que vous me demandiez pour le fromage. La semaine dernière, un petit tout moche est arrivé en courant et m'a piqué plein de cartons à emporter. Les flics à côté, ils rigolaient en disant qu'il allait faire une sale tête quand il ouvrirait les cartons. Je vois pas le rapport avec le fromage. J'avais caché le fromage dedans, moi. Je voulais le mettre à l'abri avant de refaire mon ragoût. Je pouvais pas demander à la police de les ramener. S'ils avaient trouvé le fromage, ils m'auraient bouclé. Le type qui vous a volé, il ressemblait à quoi? Petit, tout petit, mal habillé, des couleurs trop vives et une drôle de cravate. C'est ce sale voleur que vous cherchez, hein? Je crois que vous vous fichez pas mal du fromage, en fait. C'est vrai. Mais je crois quand même que vous devriez changer d'ingrédient spécial. Vous avez raison. Ce fromage a causé que des ennuis à Mama Isabella. Merci pour tout. Yeah, we got it.
Vous avez du nouveau sur les libellules? Ah si, si. J'avais raison. Votre libellule partie d'une collection achetée par Nightclub dans secteur 4. Vous connaissez le nom du propriétaire? Non, seigneur. Mais mon ami, il dit que l'homme veut pas vendre. Merci de votre aide. Où sont passés tous vos scorpions? Tout vendu. Prochain arrivage la semaine prochaine, si vous voulez. Hein. Quelqu'un vous a tout acheté? Si, femme très belle. Une femme très belle qui achète des centaines de scorpions. Ce que les gens font avec, je veux pas savoir. C'est pas mes affaires. Je vois. Ça marche, les affaires? Bien, très bien. Bientôt les fêtes. Tout le monde peut voir un secte. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, j'aimerais pas en retrouver un dans mes petits souliers. Je me souviens que Hurley Q disait travailler dans l'humanitaire parce qu'il recrutait des orphelines pour son sex-club. Et il versait ensuite un pourcentage de leur salaire à son labo de propagation animale préféré. Oh, c'était un personnage. Hé, hey, Hanoï, où est Hurley? Dans un club de vacances des colonies de l'espace. T'aurais pu trouver mieux que ça. Non, c'est vrai. Hurley m'a envoyé une vidéo pas plus tard qu'hier. Il était super bronzé. On s'est pas déjà vu quelque part? Je vais vous dire ce que je veux. Et je vais peut-être même vous impressionner. Hurley m'attend. Dégage. T'as ni rendez-vous, ni mandat de perquisition. Qu'est-ce que je vous sers? L'indice d'octade maximum. Et un Vénus Volcanis. Un! Alors, Hurley, ça roule? Comme une bonne pelle. Et toi, poulet? Ton videur a failli me jeter. J'aime bien Hanoï, mais c'est vrai qu'il est un peu coincé du cul. C'est quoi le programme? Des numéros extra toute la soirée. Tu vas m'en dire des nouvelles. T'as acheté quelque chose aux enchères récemment? Des trucs super classe, avec des libellules. Pourquoi ça t'intéresse? T'es un libellule runner, maintenant? Je suis mort de rire. Je suis en règle. J'ai les papiers pour le prouver. J'ai tout acheté légalement, aux enchères. Et ça m'a même coûté la peau du cul, alors... C'était pour les offrir à une poule, hein, Hurley? Tu rigoles ou quoi? Je suis pas con à ce point-là, non.
C'est pour une de mes danseuses. Elle fait un numéro très marécage, gluant. Tu vois ce que je veux dire? Quelle danseuse? Ekuba, c'est bientôt à elle. C'est aussi une de mes meilleures gagneuses. Elle n'a pas d'ennui, au moins. Pas encore. Ah bon? J'aurais pas aimé perdre ma belle poule aux œufs d'or. Hé, Early. Je travaille, poulet. Reviens plus tard. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Mesdames et messieurs, Early Q a maintenant le plaisir non dissimulé de vous présenter la séduisante, la troublante, l'excitante, que dis-je, l'alléchante Ekuba, dans la danse des marécages de Thanatos. C'est drôle, je n'ai pas entendu frapper. Je voulais vous dire que... Waouh, vous étiez génial. Je vous remercie. Monsieur... McCoy. Ray McCoy. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur McCoy. Vous avez une ceinture très originale. Elle est ancienne? Il paraît que ça date du siècle dernier. Ces petites créatures ont toujours été mes préférées. Les libellules? Oui. Et tous les autres insectes de la même famille. Pour être franc, je suis de la police. Je voudrais vous poser quelques questions, si vous permettez. C'est au sujet d'Early? Parce que je pourrais vous en raconter de bonnes. Il y avait d'autres articles avec cette ceinture? Je ne vois pas de quoi vous parler. Je voudrais vous faire un petit test. Vous croyez que je suis un réplicant? C'est pour ça? Si c'est Early Q, je ferai tout ce que je peux pour vous aider. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est dingue! J'ai une famille, j'ai une fille... Écoutez, je suis prête à témoigner une nouvelle fois contre Early Q. Un réplicant ne ferait pas ça, non? Un réplicant ne se préoccupe pas nécessairement de ce qui peut arriver à un autre réplicant. Alors, vous devez être un réplicant. Je sais que non. Comment pouvez-vous en être sûr? Vous avez déjà fait le test sur vous-même? Bien sûr, il y a très longtemps. Mais les souvenirs des réplicants ne sont que des implants, n'est-ce pas? Vous avez peut-être un jour tué un humain et pris sa place sans que vos supérieurs ne soient au courant.
C'est une idée intéressante, mais je vais quand même vous soumettre au test. Le temps de réaction est important dans ce test, alors concentrez-vous. Où habitez-vous ? Je ne vois pas pourquoi vous avez besoin de le savoir. Vous remarquez du coin de l'œil une grosse araignée noire sur le mur. J'ai peur des araignées. J'appelle le service des animaux et je ne m'en approche pas. C'est le premier jour d'école et le professeur vous interroge. Je fais de mon mieux pour répondre à la question. Décrivez en mots simples uniquement les choses agréables qui vous viennent à l'esprit au sujet de votre mère. Elle a fait du mieux qu'elle a pu. Ça n'est pas un mot simple. D'accord. Agressive. Forte. Un homme en haillons s'approche de vous dans la rue et vous demande de l'argent. Je lui en donne si j'en ai. Quelle est la chose la plus embarrassante qui vous soit arrivée ? Probablement ce test. Sérieusement ? Je suis sérieuse. C'est fini ? Presque. Vous êtes dans l'armée. Pendant une manœuvre, on vous attache, on vous met un bandeau sur les yeux et on vous oblige à manger des asticots. C'est dégoûtant. Ils font vraiment ça ? Les asticots coûtent très cher. C'est une situation hypothétique. Vous aimez ma mallette ? C'est notre matériel standard. En peau de bébé. De la peau de bébé humain 100% authentique. C'est horrible. Résultat positif. Le sujet est humain. Test terminé. Hé, hey, t'es le type de chez O'Willy. McCoy, c'est ça? On n'arrête pas de se rentrer dedans, dis donc. Tu veux un autographe? Je sais que t'as jamais entendu parler de moi, mais... L'autographe de Gordo Freeze vaudra un paquet de fric un de ces jours. Ce sera dur, mais je m'en passerai. Je voudrais te poser quelques questions. Hé, hey, t'as rien de mieux à faire que de venir emmerder les honnêtes gens sur leur lieu de travail? Mangue-toi, d'accord? J'apprécie beaucoup ta patience. Tu connais le cuisinier d'O'Willy? Ce gros plein de soupe? Jamais vu? T'étais là au moment où il a décarpi. Pure coïncidence. T'es un type vraiment méfiant, McCoy. Allez, détends-toi, regarde mon spectacle. Accorde-toi une petite pause dans l'amorosité de ton existence. Alors, tout le monde s'amuse bien ce soir ?
Vous savez quel est le point commun entre une tornade et un mariage? Au début, ça fait tout trembler et ça avale tout sur son passage. Et quand c'est fini, vous n'avez plus de baraque. C'est pour ça que les cyclones ont toujours des noms de nana. Le docteur appelle un de ses patients et lui dit « J'ai une mauvaise nouvelle et une autre encore pire. La mauvaise, c'est que vous n'avez plus que 24 heures à vivre. » Alors le patient dit « Mais il peut pas y avoir pire comme nouvelle. » Et le docteur répond « Si, j'essaie de vous joindre depuis hier. » Vous savez pourquoi les réplicants ont peur des banques? Parce que tout le monde y fait sans arrêt des retraits. Mais je vois que nous avons une célébrité parmi nous ce soir. Projecteur? Mais oui, je ne rêve pas. C'est bien lui, le meilleur Blade Runner de la police. J'ai nommé Ray McCoy. Je vous demande d'applaudir notre grand chasseur de réplicants. Cet homme nous protège, mesdames et messieurs. S'il croit simplement que vous êtes un réplicant, il est capable de vous clouer sur place. N'est-ce pas, cher ami? C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et toi, tu es sûr de ne pas en être un? J'ai des amis qui te connaissent bien. Tu mens. Oui, ils disent que t'es pas un Blade Runner, mais un vulgaire imposteur. Et tenez, voilà justement un vrai flic. On applaudit bien fort notre authentique policier véritable. C'est lui qui fout ce bordel. Les mains sur la tête. Ouais, Ray McCoy, détection des réplicants, Blade Runner 61-661. Jamais entendu parler. Je dépends du lieutenant Guzza, appelez-le. Je suis pas ta secrétaire, allez avance. Où est votre véhicule de patrouille? La ferme. On va dans quel district? Je vais te le dire moi, dans quel district. Je n'étais jamais venu ici, et pourtant je connaissais le central de chaque district. Le grognon à ma droite avait un look grosse couenne bourrue modèle déposé, et son acolyte en costard était tellement nerveux qu'il semblait crever d'envie de sculpter quelques rotules à la tronçonneuse. Sinon, tout était au poil. Alors, comme ça, on se fait passer pour un flic, hein? Bon, les nouveaux Nexus doivent être plus créatifs que les anciens. Je suis un Blade Runner. Si vous ne me croyez pas, appelez le lieutenant Guzza. Y a pas de lieutenant Guzza au LPD. Mais si, je l'ai quand même pas rêvé. Je vous dis qu'il tu existe. Vois, c'est ça qui m'énerve en fait. Ces gueules d'humains, ils sont toujours en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. T'as raison. Bon, vous allez l'appeler, oui ou merde? T'es qu'une saloperie de réplicant avec les souvenirs de Guzza implantés dans ta gueule d'humain, tu saisis? C'est impossible. Il a l'air vachement moins créatif d'un coup. Faites-moi le test de Voigtkampf et vous verrez. Très bon. Excellent, très convaincant. Alors, où tu te cachais? Dans le Keeple? C'est Grégorian qui t'a ramené? Et qui d'autre magouille avec vous en ce moment? Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Ah, et l'espèce de salopard qui vend du matos en ville, hein? Hé, hey, la ferme! Je vais te dire un truc, McCoy. Un réplicant mort, je m'en fous. Mais je sais que vous ressentez la douleur. Et pour ça, tu peux compter sur moi. Alors dis-moi tout ce que tu sais sur les gens de Lucerre et je te promets que tout se passera bien. Tu t'es torché le cul avec les dents pour puer de la gueule comme ça? À côté de ce que je vais te faire, une immersion dans un réacteur nucléaire, c'est de la rigolade. Vas-y, branche la chaise, Oli. Tu sais ce que j'aimerais être dans une prochaine vie? Un moine. Je trouve que mon talent dans ce domaine a quelque chose de sacré. Stop! Le premier qui bouge, il est mort! Ah, tu peux pas savoir comme je suis content de te voir. On discutera plus tard, tombeur. Tu veux sauver ta peau, alors faut qu'on se tire tout de suite. Thank you.
Bordel, mais qu'est-ce que tu foutais ? T'es arrivé juste au bon moment. Heureusement qu'un de mes indiques les a vus sortir de la boîte avec toi. Sinon, tu serais dans des sacs poubelles à l'heure qu'il est. Ces faux flics étaient sûrement payés par les réplicants pour les protéger. Flics, oui. Mais faux, non. Je me souviens bien de Baker. Il était expert en technique de contrainte, mais il s'est fait virer il y a 2 ans. Un mercenaire ? Gagné. Ouais, et ben il aura plus à s'inquiéter pour sa solde. Tu sais, cette sale petite fouine qui bosse pour ta fille. Gordo ? Il en fait partie. T'aurais dû le liquider tout de suite. Ouais, tu parles d'une pub pour nous. C'est ça ton problème, McCoy. Tu t'inquiètes trop de savoir ce que les gens pensent. Bon, maintenant excuse-moi, mais je vais encaisser. Tu marches avec moi ou pas ? Je marche. Voilà ce que j'appelle une spectatrice captivée. Tu pourras aller nulle part, Gordo. T'es un réplicant. Normal. J'ai de la réplique. Je suis mort des millions de fois sur scène, j'ai l'habitude. Alors laisse-la partir. Je n'ai pas dit que j'étais prêt. Tu sais très bien comment ça va finir, Gordo. Tu veux vraiment faire une victime innocente? Personne n'est innocent. Je préfère la perdre, elle, plutôt que tous ceux que tu vas tuer si je te laisse filer. T'es un tueur, Gordo, et tu changeras jamais. C'est comme ça que Tyrell t'a construit. Un artiste. Voilà ce que je suis. C'est ce que j'ai toujours voulu être. Bon, son instinct de tueur devait pas être encore assez développé. T'as raté le coche, ton beurre. Si tu t'étais speedé un peu plus, la prime de retraite est à toi. Tu veux dire qu'on va pas partager ? On est dans le monde réel, ton beurre. Pas dans un jeu vidéo à la con. On ferait mieux de le signaler. Tu t'es garé loin ? Il était ici, quelque part. Tu l'as garé où ? Mais je te dis qu'il était ici. On me l'a sûrement volé. Tu vis peut-être dans une réalité parallèle, ton beurre. À toutes les unités, nous avons un mandat d'amener concernant Ray McCoy, ancien matricule DR-61-661. Meurtre d'un civil confirmé nommé Iso. Individu armé et dangereux. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ils veulent peut-être t'interroger ? J'ai pas tué Iso. Peut-être que... qui pense que t'es pas celui que tu crois être ? Tu me prends pour un réplicant ? Arrête ton char ! Ce regard dans tes yeux après le dernier retrait. Dès que tu commences à ressentir quelque chose pour un réplicant, c'est galère. Oui, j'ai peut-être trop tendance à me mettre à la place des autres. Beaucoup trop, en fait. Tu veux me faire le test ? Hey, moi je veux rien, ton beurre. C'est eux qui te veulent. Agent Steele, DR-61-354. Contactez immédiatement le central. Code bleu. Qu'est-ce que tu vas faire ? M'arrêter ? Je me fous de ce qu'ils disent, t'es pas encore sur ma liste, ton beurre. Tu sais ce que ça veut dire. En plus, je vois pas l'intérêt de te coffrer si je peux pas en tirer quelques chignins. C'est dingue ce que tu peux être mesquine. Gudza s'est sûrement planté. Je vais aller vérifier voir ce qui se passe. Et après, on se reverra, ton beurre. Tu peux y compter. Ça marche. Et maintenant, file, avant que je change d'avis. Oh non ! Tes vieux trucs ringards me donnent envie de gerber. Excuse-moi, mais j'écoutais de la vraie musique. Débile. Oh non ! Arrête ! Mais enfin ! Il y a quelqu'un à la porte. J'écoute. J'ai un retour de commande pour Monsieur Luther Lenz. Un retour ? De qui ? Emile Runciter. Peut-être qu'un chimpanzé a pété un joint et a voulu le violer. Ils sont sortis, revenez plus tard. Je t'avais bien dit que ses tendons étaient instables. Runciter a sûrement découvert des faux. Du calme, Runciter est un con. Même le vieux Tyrell, il pourrait pas les remarquer, alors. Hein ? Ce matos du 20e siècle, c'est vraiment naze. Faudra la faire remplacer, hein. Non, écoutez, mais, allez dire à Monsieur Runciter pour entrer ici, que nous n'acceptons pas comme des cow-boys de pacotille, là. Messieurs,
prenez le temps de bien évaluer votre situation. Écoutez, il n'y a rien à voler ici. Si vous voulez emporter une de ces statues, allez-y. Eddie, on a des têtes de voleurs ? Non. Vous avez des têtes de sale courant ? Regardez très attentivement. Oh ! Exactement ce qu'on voulait voir, hein, Lance ? Hein ? Des Nexus 6. Et vous êtes venu vers nous ? Revenu vers vous, mes frères. Vous devez m'aider. Mais malheureusement, on ne travaille plus pour la Tyrell Corporation. Vous avez poursuivi vos recherches, non ? Oui, bien sûr. Quelque chose nous pousse à continuer. Le lien commun. Est-il de plus grand miracle que cela ? Frères, mes frères, regardez très attentivement. Oh, mais... mon Dieu. Alors, on peut commencer. Imaginez que vous vous réveillez un jour pour vous apercevoir que tout n'était qu'un rêve. Ou que vous constatez que vous étiez en train de dormir, mais que votre cauchemar est bien réel. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus qui j'étais. Un flic qui faisait tout à l'envers ? Ou un réplicant aux implants de mémoire grillés ? Mais au moins, j'étais sûr d'une chose. J'avais pas tué Iso. Je savais que j'avais vécu ce moment. Cette fausse information était peut-être la clé de tout. Et mes yeux ne voyaient peut-être qu'une infime partie des choses. Je n'avais plus qu'à rester en vie assez longtemps pour le savoir. J'avais déjà vu ce genre de fauteuil, et pas seulement dans mes cauchemars dentaires. C'était un vieux fauteuil de vérité. Un instrument de torture que la police utilisait pour arracher des aveux aux criminels les plus endurcis. Leur utilisation était interdite depuis 10 ans. Mais tous les flics savaient bien qu'ils n'avaient jamais complètement disparu de la surface de la planète. Le tunnel s'enfonçait dans le noir pendant des kilomètres. J'étais sûr qu'il ressortait quelque part, mais j'avais pas le temps d'aller jusqu'au bout. Thank you.
J'espère que vous avez les papiers de tous ces véhicules. Oh, ouais, on n'est pas des gosses. Vous parlez à Larry, pas de folle. Je prends ça comme un oui, alors. Prenez-le comme vous voulez, mais reposez-le après. Ça marche les affaires? Bien, bientôt. Ouais. À toutes les unités, avis de recherche concernant Ray McCoy. Aperçu pour la dernière fois dans le secteur 4. Le sujet est armé et extrêmement dangereux. Je répète, armé et extrêmement dangereux. Ces saloperies de gueule d'humain! Ils sont partout! Donnez-moi un.
Un seul? Oui, un pour commencer. L'endroit avait été mis à sac. Si c'était des flics qui avaient fait une descente, des vrais, ils auraient tout embarqué. Mais les armes spatiales d'ISO étaient toujours là. Par contre, toutes les armes de police s'étaient envolées. Y a rien d'autre ici. Ah, c'est vous. Vous avez retrouvé la fille, Lucie? Je l'ai vue, oui. C'est vrai? Elle est en prison? Je serais ravi de venir au poste pour l'identifier. Ce ne sera pas nécessaire. Tant pis, je voulais juste lui demander pourquoi. Pourquoi elle avait fait une chose pareille? Mes plus précieux amis sont morts. Je les aimais tellement. J'avais encore quelques questions à vous poser au sujet des types qui sous-traitent avec Tyrell. Ceux du secteur génétique. Monsieur, si je savais quelque chose, soyez certain que je vous le dirais. J'ai trouvé une enveloppe provenant de votre magasin dans un appartement là-bas. Avec un joli paquet de fric dedans. Vous n'auriez pas perdu une enveloppe par hasard. Je crois que je n'ai plus rien à vous dire, monsieur McCoy. Un gros paquet de fric, même. De quoi acheter facilement quelques animaux factices. Et des gros, genre tigres. Les analyses de moelle coûtent de moins en moins cher. Et je ne pense pas gaspiller l'argent des contribuables si j'en demande une sur vos animaux. Allez-vous-en! Écoutez-moi. Je n'ai plus rien à vous dire. Écoutez-moi. Je n'ai plus... Visez un peu ça.
C'est fermé. Votre numéro de code, s'il vous plaît. Appartement. McCoy, 88F. 88, merci. Où est Maggie? Où est ma chienne? Foutez le camp. Y a pas de Maggie ici. Mais elle était ici hier soir quand je suis parti. Vous devez vous tromper d'étage. Écoutez mon vieux, j'habite ici. Je sais pas à quoi vous marchez, je m'en fous complètement. Attendez un peu. Mais si ça vous branche, je peux vous buter tout de suite. Votre numéro de code, s'il vous plaît. Toi, accès interdit. Votre numéro de code, s'il vous plaît. Appartement, rez-de-chaussée. Votre numéro de code, s'il vous plaît. McCoy, 88F. 88, merci. Où est Maggie? Où est ma chienne? Foutez le camp. Y a pas de Maggie ici. Mais elle était ici hier soir quand je suis parti. Vous devez vous tromper d'étage. Écoutez mon vieux, j'habite ici. Je sais pas à quoi vous marchez, je m'en fous complètement. Attendez un peu. Mais si ça vous branche, je peux vous buter tout de suite.
votre numéro de code, s'il vous plaît. McCoy, 88F. Accès interdit. Étrange. Votre numéro de code, s'il vous plaît. Appartement. Toit. Accès interdit. Votre numéro de code, s'il vous plaît. Appartement. Rez-de-chaussée. Et vous auriez pu intervenir quand ce type me menaçait, ou au moins appeler les flics. Vous êtes toujours vivant, non? Le problème n'est pas là. Si vous cherchez des ennuis, on peut vous en faire. Ah, sympa comme attitude. Si ça vous plaît pas, vous allez vous installer ailleurs. Sale flic. Au bout du couloir, à gauche. Hein? De quoi? Vous êtes flic, non? Vos collègues sont déjà venus, chambre 27. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Je pose pas de questions quand on met une plaque de flic sous le nez. Est-ce que vous avez un client assez grand, avec une drôle de moustache? Il travaillait au coin de la rue chez O'Willy. Je fréquente pas beaucoup le genre de clients qui viennent ici. Mais si vous voulez jeter un coup d'œil dans les chambres, allez-y.
Vous savez ce que ça veut dire, propriété privée? Eh, je vous ai déjà vu quelque part, non? Toujours en chasse. C'est votre nom, chasseur? Quand vous avez coincé la grosse brute épaisse derrière le sushi bar, vous vous rappelez? Le monde est petit, hein? Ouais, ça c'est sûr. Tellement petit qu'il y a quelqu'un au beau milieu de mon salon. Eh, je vous... Tout à l'heure, vous avez râlé encore. Pas des gens, des artificiels. Comment pouvez-vous affirmer que ce sont des réplicants? Vous rigolez? Je peux repérer ces gueules d'humains dans le noir. Décrivez-les-moi. Vous avez vraiment rien à boire? On verra plus tard. Y a le japonais, avec un par-dessus et des lunettes. Grand et maigre, blond avec une queue de cheval? Ouais. Et le grand costaud, avec ses cheveux bizarres. Avec des nattes de rasta? C'est ça. Je l'ai vu deux fois. Et y a le type à deux têtes, et le gros lard. Le gros lard? Celui que j'ai poursuivi derrière le sushi bar? Non, l'autre gros lard. Vous le connaissez? Une voix bourrue, il mange tout le temps. Vous avez souvent vu le gros lard par ici? Quelquefois. La dernière fois, c'était il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il faisait? Il trimballait des armes, comme d'habitude. Des pistolets, des blasters comme le mien? Des pistolets, des fusils, de tout. Il passait par cette porte. Il les planquait dans les égouts, mais j'y sont plus. Vous avez vraiment rien à boire? Vous pouvez me le décrire? Une grosse brute, qui crie tout le temps. Tout le monde l'écoute quand il est là. Normal. Je voudrais vous demander... cuit à point et bien juteuse. Hé, hey, je vous parle. Je voudrais vous demander... cuit à... Hé, hey, je vous parle.
Non, non, on a déjà essayé ça. Écoute, on sait que les séquences d'adénine neuromine et de guamine cytosine peuvent subir une mutation. Essayons autre chose. Enfin, vous avez mis le temps. Vous savez qui je suis? Officier de police, Ray McCoy. Vous enquêtez sur la mort de Moradji. Et celle d'Eisendouleur. Vous avancez bien? C'est vous, Luther et Lance? Dis donc, il est drôlement futé, celui-là. Allez faire cracher votre arme ailleurs. Nous avons un travail important à terminer. Clovis a voulu me piéger, non? Et il a utilisé mon boss pour ça. C'est un malin, lui. Sans aucun doute. Dites-moi ce que vous savez. Pourquoi pas un échange, plutôt? Notre vie contre la vôtre. Continuez. Clovis est parti voir Eldon. Mais il réussira peut-être pas. Pourtant, nous devons achever notre travail, avec ou sans Clovis. Rapportez-nous les fichiers de Tyrell, les informations sur l'ADN, et on vous aidera. Vous voulez que je pirate le système informatique de Tyrell pour vous? Mais vous êtes dingue! Défectueux, oui, mais dingue, non. Vous avez besoin de nous, McCoy. On peut vous servir le cadavre de Guzza sur un plateau d'argent. Ron Sitter vous paie pour quoi, exactement? Ne m'en parlez pas, c'est Lance qui a eu cette idée stupide. On voulait juste se faire un peu d'argent en extra. C'est peut-être pour ça que vous avez été viré. Je sais qu'il n'était pas très content. Eldon fait tellement chier à vouloir avoir un putain de contrôle sur tout. Vous avez rencontré Clovis par le biais de Ron Sitter? C'était une coïncidence. Les réplicants qui ont tué Marcus et Moradji vont vous chercher aussi. Vous arrivez un peu tard, ils nous ont déjà trouvés. Alors expliquez-moi pourquoi vous êtes encore vivant. Parce qu'on fait tous partie de la même famille, si vous voyez ce que je veux dire. Eldon peut parfois se tromper. Après tout, l'erreur est humaine. Mais la différence, c'est que... La différence, c'est que ce vieux vautour l'admettra jamais. Non, il préfère cacher la vérité, prétendre qu'ils sont humains. Il leur file même du boulot dans sa corporation de merde. Et dès qu'il commence à créer des trucs intéressants, il les renvoie à coups de pompe dans le cul. Vous voulez dire que vous êtes des réplicants? Nous avons fini par nous en rendre compte. Clovis nous a ouvert les yeux. Mais c'est ridicule. Tyrell ne peut pas vous avoir créé. Il veut la perfection. Je viens de vous dire que nous étions une erreur. Continuez. Quelquefois, nos souvenirs sont différents. Le procédé d'implantation n'est pas infaillible. Nous le savons, nous avons vu les études. On ne peut jamais être sûr de l'évolution exacte des souvenirs dans l'esprit du sujet. On a des souvenirs différents de notre enfance. Allez expliquer ça. Un de vous deux a peut-être oublié. Si on ne peut pas faire confiance à ses propres souvenirs, qu'est-ce qui nous reste d'humain? Tyrell affirme qu'on ne peut pas dépasser 4 ans. Bien sûr qu'il dit ça, mais il se trompe. Et complètement. On va bientôt le prouver avec les résultats de nos recherches. Elles sont terminées? Vous pourriez prolonger la vie d'un réplicant dès maintenant? Non. Cette limite de 4 ans fait partie intégrante de chaque élément d'un réplicant. Tyrell avait exigé qu'ils cessent tous de fonctionner au même moment, et que les concepteurs de chaque élément soient les seuls à connaître son fonctionnement. Clovis a déjà résolu le mystère de la peau. Ça, c'est Moradji. Sébastien et Chu s'occupent du système nerveux central et de la vue. Un grand nombre de virus rétrogrades ont été introduits dans les yeux. Et Tyrell, c'est lui qui a les données sur la structure de l'ADN. Mais il acceptera jamais de les divulguer. Vous avez raconté tout ça à Clovis? Il en a même pas parlé. Il savait déjà tout. Et il sait tout sur vous aussi. Où est Clovis en ce moment? Il est parti voir Eldon pour un petit tête-à-tête. Mais il va tuer Tyrell s'il le trouve. Oui, comme c'est dommage. Je ne verserai pas une seule larme. Tyrell tue tous les réplicants. 4 ans, c'est beaucoup trop court. Si Clovis lui tord le cou, ce sera rapide. Je voudrais vous faire un petit test. Non mais tu le crois, ça, Luther? Il voudrait nous faire le test de Voigtkampf. Non, désolé, McCoy. Tuez-nous ou laissez-nous tranquille. Allez, au travail. Qu'est-ce que vous faites, là? Eldon nous a virés, alors on lui fera pas de cadeau. Et on a promis à Clovis qu'on aura trouvé la solution quand il reviendra. Donc, si vous permettez... Restez dans le coin. J'aurai peut-être d'autres questions à vous poser.
C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. On aura ta peau, McCoy! Oh, merde! Arrêtez! Je crois que j'ai ce que vous cherchiez chez Tyrell. Regarde ça, frérot. Le petit homme au gros pistolet a bien bossé. Un marché, c'est un marché. Vous avez dit que vous me donneriez Guzza. Tout est là-dedans. Votre patron, c'est un sacré malin, je peux vous le dire. Presque autant que Tyrell. Regardez vous-même. C'est peut-être pour ça que vous avez été viré. Guzza était mouillé jusqu'au cou dans les magouilles les plus sordides. Il était insatiable. Il revendait le matériel de la police. Il arnaquait les truands. Et il lui arrivait même de tuer. Toutes les preuves étaient là, sur ses documents. Dépositions, photos, vidéodisques. Le dossier complet de Guzza le Ripou. Où avez-vous trouvé ça? C'est Clovis qui nous a demandé de garder ça pour lui. Quand j'y repense, je suis pas sûr qu'on aurait dû vous le montrer. Faut nous le rendre maintenant. Pas question. Laisse-lui. Clovis a dit qu'il avait terminé avec le policier, de toute manière. Une faible lueur jaillit dans mon esprit. C'était Guzza qui avait monté le coup. J'avais d'abord senti mon estomac se nouer, en réalisant que j'avais entre les mains de quoi obliger ce fumier à se plier à mes exigences. Je savais qu'il écouterait la voix de la raison, si je lui mettais bien la pression. J'avais qu'à lui passer un coup de fil.
Alors comme ça, on joue avec la vie des gens? McCoy, où t'étais passé, on t'a cherché partout. Ah oui, et on me recherche mort ou vif? Tu ne sais même pas ce que tu es, petit. Tu peux raconter tes histoires de répliquants à qui tu veux, mais ça prend pas avec moi. Si t'as vraiment rien à te reprocher, viens faire le test. Comme ça, on sera fixé une bonne fois pour toutes. J'en ai marre d'entendre tes salades, Guzza. C'est toi qui vas m'écouter maintenant. J'ai mené ma petite enquête et je suis tombé sur des preuves accablantes. Tu sais très bien de quoi je parle. De ton trafic illégal d'armes avec Iso. Tu t'es rempli les poches en revendant les armes des flics aux truands et aux réplicants. Tu parles. Ça va chauffer en haut lieu quand ils vont savoir jusqu'où peut aller la corruption. C'est des conneries, tout ça. J'espère pour toi que Brian et les gros bonnets penseront la même chose quand je leur balancerai l'affaire. Parce que sinon, ce sera un aller simple pour la colonie pénitentiaire, gros lard. Qu'est-ce que tu veux, McCoy? Classe cette affaire, efface toute trace de mon nom et vire ce type de mon appartement. Je veux retrouver ma vie normale. Je peux pas faire ça. Tu ferais mieux de vite trouver un moyen, parce que je n'ai qu'un autre coup de fil à passer. Bon, d'accord. Mais on peut se voir où? On peut pas en parler au vidéophone. Dans les égouts. Je sais que tu aimes ton confort, et je sais que tu t'y sentiras comme chez toi. En bas du vieil ascenseur, il y a une grille. Ensuite, il y a une salle, avec une plateforme ronde. Ouais, je connais. Viens seul. Et t'as intérêt à respecter notre accord. Sinon, je balance tout à Brian. T'as viré l'autre connard de mon appartement? Il est plus clean que quand tu l'as quitté. Et ma chienne? Ouais. Ouais, ta chienne est là aussi. J'ai tout ce qu'il faut pour être blanchi là-dedans? Tu sais, ces photos de mise en service avaient l'air vrai, fiston. Je parie que c'est Clovis qui te les a données. Ça va te paraître idiot, mais je croyais qu'il était sincère. Il t'appelait son frère. Il disait que t'étais venu avec eux dans la navette. Que Tyrell t'avait utilisé pour infiltrer la police. Et comme ça faisait peu de temps que t'étais là, je me suis dit... Que tu allais me faire la peau. Pratique, hein? Tu faisais plaisir à ton maître chanteur. Et tu m'empêchais de mettre mon nez dans tes magouilles. T'es trop malin pour moi, petit. Bon, maintenant tu veux bien qu'on parle affaire. J'ai toutes les preuves. Des photos, des fichiers, des disques, la totale. C'est pas très joli joli. Je peux pas m'en vouloir d'avoir essayé d'améliorer mon ordinaire. Essayer, c'est une chose. Mais braquer les camés pour revendre la cam toi-même. Fourguer les armes de la police au marché noir. Faire brûler vif deux macros qui refusaient de payer quand t'étais dans la mondaine. Et ces deux-là, il avait bien cherché. Tu croyais que ça pouvait durer éternellement? T'arrives à un point où tu penses même plus à ce qui s'est passé la veille. Mais qu'à ce qui va t'arriver le lendemain? Ça fait 20 ans que je fais ce boulot, fiston. Et je suis intouchable. Et aider les réplicants, ça fait partie de ton boulot? Je voulais les
liquider moi-même après cette histoire. Supprimer les témoins. Oui, mais après m'avoir liquidé moi. Clovis me cherche encore pour me descendre, fiston. Si Crystal et toi vous le liquidez, j'aurai plus de problème. Et toi non plus. Et on pourra tous vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. C'est mon boulot, Guza. Je suis toujours un Blade Runner. Mais ne crois surtout pas que je fais ça pour sauver ta peau. La décision était facile à prendre, McCoy. Passe-moi le dossier, je te donne la mallette, d'accord? Je compte jusqu'à 3. Je vois que nous avons eu raison de le suivre, Sanic. Il me semble bien aussi, man. Tu devrais abandonner, Clovis. Tes copains et toi, vous avez aucune chance. Nous avons plus de chances de réussir que vous, lieutenant. Je parlais justement avec McCoy du moyen de vous sortir de ce pétrin. On a imaginé un plan. Mais faut d'abord vous montrer. On doit parler face à face. Et si je vous disais que ça dit qu'un fusil à pulsion pointé droit sur votre cœur? Sans moi, vous pourrez aller nulle part. Lieutenant, nous avons tout ce que nous voulions. Et vous n'en faites pas partie. Dommage. On commençait à devenir bons amis. Ce qui naît de naissance mortelle doit être consumé avec la terre. Pour ressusciter libre de l'engendrement, dès lors, qu'ai-je à faire avec toi? Va te faire foutre. Bon. Et maintenant, qu'allons-nous faire de ce policier? Il a été si tenace, si assidu. Tu sais ce que moi je ferais, man? Tu as peut-être raison. C'est la fin. Tu sais ce que moi je ferais, man? Tu as peut-être raison. C'est la fin. Tu sais ce que moi je ferais, man? Je suis très mécontent de vous, mon ami.
dure journée, McCoy? Ouais, on peut dire ça. Steele te cherche, Brian aussi. Vous avez semé la panique dans tout le département, toi et Goodza. Je m'en doute. Tu me cherches aussi, Gaff? Oui, mais pas pour te tuer. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Tu sais que tu as des voisins intéressants, McCoy? Je sais, mais j'étais trop occupé pour leur rendre visite. Tu vas te constituer prisonnier? J'y pense. Pense bien. Tu as déjà tué quelqu'un? Comme je te l'ai déjà dit, si tu retires un humain, tu peux dire adieu à ta carrière. Et peut-être à ta vie aussi. Mais on ne vit pas éternellement, hein? Alors je lui ai répondu, mais il fallait voter pour lui, sans hésitation. Excellent, vraiment très drôle. Mais gouverneur, revenons aux choses sérieuses. D'après les estimations, il y a 5 milliards de tonnes de Kipple autour de cette ville. Il va bien falloir nettoyer tout ça un jour. Eldon, nous avons des spéciaux pour faire ça. Mais beaucoup d'entre eux abandonnent. Non, il n'y a qu'une seule méthode pour y arriver. La mienne. Mais malheureusement, votre méthode est illégale. Pour le moment, oui. Mais on peut changer les lois. Et si les réplicants avaient le droit de travailler sur Terre, pensez à votre image. Ensuite, le gouverneur Maurice Colvig, le héros national qui nous a délivré des déchets toxiques. Même vos adversaires voteraient pour vous. Comment pouvez-vous être certain qu'il ne peut y avoir aucun problème? Oh, c'est une solution très simple à un vieux problème de conception. Donnez-leur un travail sur Terre et ils ne rêveront jamais plus d'une autre vie. Ça, c'est faux. Et qui est là? Ah tiens, c'est un de mes enfants, je crois, et un des plus malins en plus. Venez, montrez-vous. Avec plaisir. Prévenez la sécurité. Qui est cet homme? Je vous pose la même question. S'il dit un mot de plus, il est mort. Mais je ne vais pas me laisser... Je vois que vous êtes un homme de parole. Je veux toutes les données que vous avez sur la structure de l'ADN des réplicants, les études de mutation, tout. Écoutez, mais asseyez-vous. Discutons-en. Je n'ai pas le temps de discuter. J'aimerais pouvoir vous aider, sincèrement. Mais ces données sont inutiles. Le délai de 4 ans est inaltérable. Mes amis, ma famille, ils vont tous mourir sous mes yeux et tout ce que vous trouvez à me dire, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Le temps est très précieux, mon enfant, et tu as bien occupé le tien. Et quand la nuit viendra, je rejoindrai le lieu propice, marchant dans la sombre vallée, emplie d'un silence mélancolique. Je le voudrais vivant, si possible. Ce n'est pas exactement la conclusion que j'imaginais. Vous avez posté des gardes sur la mezzanine? Oui, monsieur, mais vous savez, après cette chute... Ne soyez pas idiot, il n'est pas encore mort. Son heure n'est pas venue. Maggie, viens ici, ma fille. Décroché. Mais où t'étais passé, tombeur? Les autres m'ont dit que tu étais parti depuis plusieurs heures. J'ai toujours pas retrouvé ma chienne. Oh, commence pas à me bassiner avec ta chienne. Moi, j'ai quelque chose de nettement plus stimulant à te raconter. Ah, oh, je suis tout ouïe. J'ai une piste sur la cachette des gueules d'humains. Ce serait pas Lyukon? Ça a changé. Tu te souviens quand Gaff a parlé de ce massacre dans une navette? J'ai trouvé l'endroit où ils se sont crachés. Et je te parie à 10 contre 1 que c'est là-bas qu'ils sont partis se planquer pour lécher leur plaie. Génial. On y va? Pas on, toi. Et fais gaffe, tombeur. C'est vraiment galère, très loin dans le Kipple. Très, très, très loin. Et comment ils font pour rentrer dans la ville? Ils utilisent une ancienne canalisation. Alors, on va chasser le réplicant ensemble ou quoi? J'aime de plus en plus ton style. Mais premier arrivé, premier servi. Je partage mes primes avec personne. Je te rejoins là-bas, tombeur.
Votre numéro de code, s'il vous plaît. Accès interdit. Votre numéro de code, s'il vous plaît. Ben, il était temps. Si j'étais un Nexus 6, tu serais déjà morte. Non, c'est toi qui serais mort. Je t'ai entendu là derrière, il y a 10 minutes. J'ai eu un petit contretemps. Où est la navette? Tout prêt. T'es prêt à te mettre au boulot? Bien sûr. Je crois que ça va chauffer dans la vieille ville cette nuit. J'aime pas ça. Ça sent le piège à plein nez. Oh. J'ai toujours détesté les espaces confinés. Tiens bon, je vais appeler une ambulance. Oh. Je crois que cette fois, c'est la fin, tombeur. Promets-moi de liquider Clovis. J'étais assez bien formé, non? Votre numéro de code, s'il vous plaît. Eh ben, il était... Si j'étais un... Tout bien, je crois. Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Un détonateur, là. Tu vois? Et c'est quoi qui clignote?
Ils sont bricoleurs, ces salauds. Fais attention, elle est peut-être branchée sur une minuterie. On dirait le travail de Sadik. C'est le même mécanisme que la bombe de l'usine de réplicants. Fais le tour, faut la désamorcer. Tout ce qui peule, ça me fout les jetons. J'ai besoin de respirer un bon coup. Si tu respires un bon coup ici, tu vas recracher tes poumons. Maggie, viens ici mon bébé, viens. C'est quoi ce truc attaché autour d'elle? Ils ont pu. Bon, allez, au boulot. Oh, non. Hé, hey, man. Alors, il t'a plu, mon cadeau? Sale fumier. C'était qu'une pauvre bête innocente. Tu délires, man. C'est une fausse. Une machine comme toi. Tyrell, il te l'est fait. Plus chienne que chienne, tu vois rien, hein? C'est faux. Tu t'en rappelles pas, man, c'est tout. C'est à cause de leur faux souffle. Montre-toi, espèce de lâche! Y a rien d'autre ici. Je vais finir le boulot tout seul, Steele. Pas question. Ce salaud a tué ma chienne. Il a essayé de me convaincre que je n'étais pas un humain. On fait pas ce boulot pour se venger, McCoy. Si c'est pour le fric que tu t'inquiètes, tu peux le garder. Mais je veux m'en occuper tout seul. T'es vraiment plus têtu qu'une mule. Bon, écoute, je te laisse 2 minutes, pas plus. Je vous attendais. Ils sont tous morts. Vous êtes le dernier. Je voudrais tellement pouvoir partir.
décoller sans attendre et m'envoler très loin. Mais je n'ai nulle part où aller. Et mon temps est compté. Vous voudriez que je vous plaigne ? Mais après ce que vous avez fait à Maggie, vous pouvez toujours courir. Mais alors, que dire de vous, Ray McCoy ? Après ce que vous avez fait à ma famille, à mes amis, ne recherchez-vous pas, vous aussi, le pardon ? J'ai pas besoin de pardon. Je croyais pouvoir changer mon destin. J'aurais dû jouir de ces instants si précieux de mon temps, sans en perdre le moindre à poursuivre vengeance. Mes mains se flétrissent nuit et jour au labeur, et j'ignore ce qu'est le confort. Ma femme ne reçoit nulle faveur, hormis ce qui lui vient du ciel. Nous mangeons peu, et buvons encore moins. Et cette terre n'alimente que notre chagrin. Il est à notre soleil qui nourrit notre ardeur. Mais jamais ces rayons ne touchent notre cœur. Tu ne mesures pas le temps pour moi. Cesse de limiter l'espace que je vois. Mon esprit n'est point revêtu de ta lumière. Et tes terreurs ne m'épouvanteront point. Quelle merde ! Quelle merde ! Bon sang, tombeur, j'ai failli te faire sauter la cervelle ! Fais-le, tu me rendras service. Tu les as liquidés ? Je crois que tu vas avoir de l'avancement, sans compter toutes les primes. Moi, tant qu'on me laisse une vingtaine d'heures de sommeil... Je rentre chez moi, Steel. Oh, je suis fini. Hé, hey, tombeur. Quoi ? T'as jamais pensé à faire équipe avec un partenaire ? Je croyais que tu travaillais toujours toute seule. Y a un début à tout. Je vais y réfléchir. Ma compagnie vaut largement celle d'un chien, tu sais. Ben, il était... tout près. Oh, j'aime pas... Tiens... Maggie, viens ici mon bébé, viens. Tiens mon bébé, attrape. Oh mon Dieu, comment ils ont pu ? Oh non. Hey man, alors il t'a plu mon cadeau ? Ça, tu dis là, c'est faux ! Tu t'en rappelles, c'est à cause de le... Il n'y a rien d'autre ici.
Je vous attendais. Ils sont tous morts. Je voudrais tellement pouvoir pas. Vous voudriez que je vous plaigne, mais après ce que vous avez fait à Maggie... Mais alors, que dire de vous, à mes amis? J'ai pas besoin de pardon. Je croyais pouvoir... J'aurais dû jouir de ces instants. Mes mains se flétrissent nuit et jour au labeur. Et j'ignore ce qu'est le confort. Ma femme ne reçoit nulle faveur, hormis ce qui lui vient du ciel. Nous mangeons peu, et buvons encore moins. Et cette terre n'alimente que notre chagrin. Il est à notre soleil qui nourrit notre ardeur. Mais jamais ces rayons ne touchent notre cœur. Tu ne mesures pas le temps pour moi. Cesse de limiter l'espace que je vois. Mon esprit n'est point revêtu de ta lumière. Et tes terreurs ne m'épouvanteront point. Quelle merde! Je vois que Steele s'en est pas sorti. J'aurais eu besoin de toi il y a 10 minutes. T'avais besoin de personne, McCoy. Ryan veut te parler. Il dit que t'es vraiment prêt maintenant. Ça ne finira donc jamais. T'es un vrai Blade Runner maintenant. Tu vas toucher les grosses primes de retrait et tout. Hein. C'était du beau travail, mon vieux. Alors explique-moi pourquoi je me sens si mal. Va savoir. Tu devrais peut-être t'acheter une autre bestiole, mais une vraie. Pas une imitation de chez Tyrell. C'était pas une fausse chienne. Tu peux croire ce que tu veux après tout, McCoy.